Salut à tous, c'est Trunkan et on se retrouve comme vous pouvez le voir sur Fist of the North Star, donc Hokuto no Ken, hein, parce que titre anglais on s'en branle. Donc sur Hokuto no Ken 2, qui est sorti, moi je l'ai lu cette semaine, donc on va dire qu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps du tout. Donc successeur, pardon, du précédent opus, sauf que là, le manga est repris au complet, c'est-à-dire que même les sortes de mini-boss et tout ça, ils y sont. Genre Renard et tout, ils y sont. Par contre, bon, on va faire une petite mission. On va faire une petite mission du mode légende, donc du mode scénario, et je vais vous expliquer un peu les améliorations et les défauts du jeu. Si vous êtes fan, ça vous plaira, sinon, ça vous plaira pas, quoi. Alors, le moteur c'est le même, hein, graphiquement ça a pas beaucoup changé, c'est un poil plus beau, vraiment vite fait. Et la synchronisation labiale est vraiment géniale. Au niveau musique, pardon. Ils ont pas changé les musiques du jeu, c'est toujours les mêmes. Donc il n'y a pas beaucoup de musique. Il y a surtout des musiques sur les gros combats, les boss, notamment. Ils ont rajouté 2-3 QTE de temps en temps qui sont sympas. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté d'autre? On va voir, on va zapper ça, on s'en fout. Vendetta sanglante! Né! Mais c'est toi, Ken! Oh ouais, les cutscenes d'intro sont présentées sous forme de BD comme ça, enfin de manga. En image fixe, un peu comme dans The Witcher 2. Enfin, totalement comme dans The Witcher 2 en fait. Donc là j'ai choisi le costume classique de Kenshiro. Hein. Alors déjà, le jeu est plus rapide, ça c'est clair. Les combos s'enchaînent beaucoup plus vite. Je crois qu'on a accès à tous les coups spéciaux de Kenshiro, enfin des personnages. Vous voyez là par exemple, vous avez ma barre de vie en vert, à gauche vous avez une flamme qui est la barre de karma, qui se charge et qui va activer les petits rectangles orange qui permettent de déclencher des attaques, des techniques spéciales. Genre les sangs déchirés du haut couteau, tout ça. Hop. Tac, tac. Tac, 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 tac. Alors vous avez toujours une provoque, vous avez toujours la technique secrète ou spéciale, je sais pas comment ils appellent ça. Voilà, moi j'aurais pu la casser d'un coup je crois aussi. Donc voilà, donc c'est toujours les niveaux sont quand même beaucoup plus variés que dans la première version du jeu. Parce que oui, techniquement, c'est juste une deuxième version du jeu. Faut quand même pas déconner. Le premier était pas assez complet, en plus le gameplay était hyper lourd. Là, le gameplay est moins lourd. Vous voyez, les coups, ils partent beaucoup plus rapidement. Bon, ils sont toujours lents,
Mais par rapport au premier, ils sont beaucoup beaucoup plus rapides quoi. Y'a absolument pas photo. Laissez mon ami tranquille. Voilà, y'a des décors un peu destructibles quand même. Ce qui est pas un truc de psychopathe, mais bon, c'est pas négligeable. Voilà. Bon, c'est une mission qu'il y avait déjà dans le premier. Casser les statues de Jaggy. Alors par contre, alors voilà, vous avez vu ce que c'était que les attaques spéciales, donc je vais en faire une sur eux. Alors maintenant on peut tourner en même temps. Là, par contre vous avez vu que le WAT quand il l'a fait, sa bouche était fermée. Donc ça de mémoire dans le 1 c'était pas le cas. Non, pas de pitié pour les croissants, allez dégage. Et aussi vous avez pas le nom de l'attaque une fois qu'elle a été effectuée. Genre dans le 1 par exemple il fait ça. Et à la fin l'image s'affiche, ça fait Okuto Yakuratsuken. Avec la voix de Kenshiro, genre Okuto Yakuratsuken. Truc comme ça. Et bah là y a plus. C'est un peu dommage. Alors c'était un peu c'est un peu dommage oui et non parce que c'était vite saoulant au bout d'un moment dans la première version du jeu. Mais en même temps dans l'animé, dans la série, dans l'animé en tout cas c'est comme ça, donc c'était quand même marrant de le faire. Puis il suffisait de varier les attaques pour que ça change un petit peu, c'est pas non plus. Et là, bah du coup ça y a plus et c'est. Moi je trouve ça un petit peu dommage. Bonjour. Alors avec la croix directionnelle, vous changez d'attaque. Donc voilà. Là j'en ai 4. Dans le premier jeu, on était limité à 4, il fallait les choisir avant l'émission. Là j'ai. Pour l'instant j'en ai débloqué que 4, donc je pourrais pas m'avancer énormément à ce sujet. Mais ça a l'air d'être parti pour pouvoir toutes les utiliser. D'ailleurs, il faut que j'utilise la vague fendeuse de montagne, elle est marrante. Voilà, je sais bien défoncer. Alors, il n'y a plus du tout le système de talent qu'il y avait dans le premier jeu. Maintenant, vous avez des... un peu le même système qu'il y a dans One Piece, c'est-à-dire des attributs en fait. Vous avez 5 emplacements et vous pouvez mettre des parchemins qui augmentent vos attributs, c'est-à-dire votre force, la puissance de vos attaques de spéciales, genre le Yakuratsuken et tout ça, votre défense, votre karma, votre vie, je crois que c'est tout. Et c'est déjà pas mal déjà. Et donc vous avez plus l'espèce de sphérier qu'il y avait dans le 1, un peu à la Final Fantasy X. Touche pas à mon pote. Et la caméra est beaucoup plus libre. Vous voyez, je peux la bouger un peu comme je. Presque comme je veux quoi. J'ai sauvé tous les villageois, c'est super. Ah, un mini-boss. Un commandant. Ah, il fait du Nanto Seiken lui en plus. Voilà. Hop, dans les tétons.
Skin, skin. Hop, et une petite QTE de fin. Kuto, Zankai Ken. J'adore. Et du coup là c'est un peu bizarre que les lèvres ne bougent pas alors que dans la cinématique elles bougent. Bon. Et durant le parce que là on va certainement... Alors vous avez vu que les... je m'embrouille un petit peu. Les missions sont plus courtes. Elles sont beaucoup plus courtes. Ce qui fait que le jeu est plus court, mais il est beaucoup plus complet, donc au final il est plus long. Donc on s'en fout. Donc là actuellement sur le... Moi je l'ai pris sur le PSN. Actuellement, quand on l'achète, bon, il y a 59 boules quand même, hein, mine de rien. J'ai gagné un niveau en défense. Qu'est-ce que je dis? Oui, quand on l'achète, on a tous les costumes alternatifs gratuits. Et c'est cool parce que dans la première version, de mémoire, ils étaient payants. Bon, ils étaient livrés avec des missions, des packs de missions. Vous aviez des personnages aussi. Aussi, pardon. Et tout ça, c'était livré avec des packs de missions. Là, on a directement les costumes. Donc il y a deux costumes pour Kenshiro déjà. Et après, un costume par personnage. Souvent, bah, juste les costumes du manga quoi, par rapport à l'animé. Allez hop, les musiques sont très très peu présentes, hein, ça, c'est vraiment des musiques d'ambiance. Hop. Maintenant on a la possibilité d'ouvrir les coffres, on a pu aller casser les trucs, il faut les ouvrir. Bon, est-ce que ça change vraiment grand chose? Ça évite peut-être d'ouvrir des coffres qu'on voulait pas ouvrir pour garder des power-ups pour plus tard. Adou ! Alors, qu'est-ce que je peux vous faire ? Ah bah merde, j'ai déjà fait ça. Et je peux tourner hein, sur le... pendant l'attaque, ce qui fait que je peux toucher quasiment tous les ennemis. Udi ! Il y a encore du monde hein. Ah, faut que je tue 120 ennemis donc. C'est augmenté de couteau ! Alors un système d'esquive assez sympa. Qu'en fait quand on appuie sur croix on peut esquiver. Bon, L1 c'est pour parer et esquiver. Si on esquive au bon moment en fait on peut faire une contre-attaque hyper violente. Boum. Voilà. Ouais j'ai esquivé un cocktail molotov mais... Allez, viens là toi, viens là pépette. Boum. Ah oh, il m'a esquivé le salaud. Salut Shinde. Moi je vais te finir. Hein.
Hop. Les portes s'ouvrent. Ah oui, j'ai quand même pris cher dans ma gueule. J'ai du sang sur le bras. J'ai du sang sur le bras. Dans le premier, les vêtements se déchiraient. Dans celui-là, ils se déchirent plus. Par contre, il y a du sang, il y a des blessures qui apparaissent. Ça aurait été bien qu'il y ait les deux. Ça aurait été vachement sympa qu'il y ait les deux. Après, bon, c'est peut-être une question de texture et c'est peut-être compliqué, j'en sais rien. Mais voilà quoi. Moi j'aimais bien les vêtements qui se déchiraient, surtout pour Ken, enfin pour Kenshiro c'était vachement sympa, pour Mamiya c'était encore mieux, mais bon, vu qu'il se retrouvait en culotte, enfin bref. Blablabla. Ah oui, ils ont des lance-roquettes. Ah oui, c'est Jagi, il a un lance-roquette, c'est vrai. Il est relou, je me rappelle, il était déjà chiant. Hein. À la base. Un Jagi qui se fait passer pour l'héritier du Hokuto. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il... Ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, voilà, une ouverture. Ce qui fait que quand il y a ça qui s'affiche et que vous le tapez, vous avez une chance de déclencher un choc méridien, ce qui fait que le mec est... comment dire... paralysé. Aïe. Oh, joli pit driver. Oh, l'enfoiré. Ah, tu mérites un Yeko Atsuken. La musique des boss c'est la même. Tiens. Voilà. Il va peut-être s'énerver. Un molotov, deux molotov. Ah t'as plus de molotov hein, t'as l'air malin maintenant. Ah merde. T'es un salaud. Et vous voyez lui c'est pareil, il a des balafres qui apparaissent sur son torse. Bon, temps de chargement un peu abusé. Tout pour une cinématique certainement. Ah non, pour un flashback. Oh dis mon nom, bref on s'en fout. Aïe. Boum. Bien, touché. Ah oui, c'est vrai qu'il est violent avec ça, lui. Il m'a buté. Ah merde. Ah, il m'a buté, ah, il m'a mis un coup de lance-roquette en pleine bouche, je crois. Oui, j'aurais essayé, rien à foutre. Allez hop, ça c'est fait. Billy. Ah, tu mourras pas. Vous voyez, je commence à avoir un peu du sang partout. Oh. D'où tu vas te toucher, toi? Voilà. Expandeuse de montagne. Hop. Attends. Alors je peux provoquer avec L2. Cocotte.
Ah ça, ça a piqué ça. Là, il commence à avoir plein de sang, c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est Claire Gallois qui va être content. Raté. Ouah. Putain, QTE d'enfoiré. Allez, bien. Ça passe. Quoi? Touché. Ah, esquivez. L'éveil d'essence. Ça, ça fait mal. Voilà, c'est bon, je l'ai. T'es mort. Meurs. Ça pique. Ah, il a fait une technique qui s'appelle l'éveil des sens. En fait, il le rend hypersensible à tout ce qu'il touche. C'est-à-dire que sa peau, elle brûle de base. Elle le brûle de base. Et après, il lui pète la gueule, quoi. Et donc voilà, c'est on a fait un petit tour, vous avez vu un petit peu les tenants, les aboutissants, les bons points et les mauvais points. Vous avez peut-être remarqué une chose si vous aviez vu ma vidéo sur le premier jeu. Quand on passe dans la dernière partie du boss, il n'y a plus le thème de Ken survivant. C'était You Are Shock, je crois. Bref, la musique qui avait dans le premier en mode métal et tout, en mode power metal de psychopathe, et là il n'y a plus du tout et c'est hyper dommage, quoi. Pour moi c'est un gros point noir parce que c'était hyper stylé de se taper le boss avec la musique de la série, quoi. Donc voilà, on va s'arrêter là, on a fait un bon gros tour du soft. Je vous dis à plus tard et puis prenez soin de vous. Salut à tous, bye.